Salut tout le monde, c'est Axel Eponce de 7-4 et je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 2 en mode domination. Donc l'arme que je choisis c'est un fusil d'assaut qui s'appelle Scar H. Cette arme existe aussi sur Modern Warfare 2, ouais, il n'y a pas longtemps, enfin c'est l'arme que j'utilise souvent. Quoi. Donc j'ai équipé de silencieux et viseur laser. Et vous avez vu, il est en or, hein, c'est beau. Hein. Donc, enfin bref, donc les atouts que j'ai choisis, c'est fantôme, gilet pare-balles, sang-froid et pillard, ensuite dextérité. Et les séries de points que j'ai pris, c'est tourelle automatique et aéronef furtif, et enfin, warthog. Donc là, je commence déjà derrière le dos des ennemis, j'ai déjà fait tout le tour de la map. Enfin, la moitié, là je vois un qui remonte intelligemment. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Regardez bien, je charge tranquillement. Je continue bien, il y a un sniper au bout. Et j'explose le barrique et tout le monde meurt. Oh. En même temps, je profite de prendre le drapeau. Je vois qu'il y en a un qui montait. Il y a l'allié qui suit par derrière. Bon, il y a Mania qui m'a suivi pour prendre le drapeau. Ça m'a facilité tout simplement de prendre le drapeau. Donc là je continue de faire le tour hein, comme d'habitude. Là il y a un sniper, il m'a pas vu. Donc vous avez vu là il y a encore un autre je pense, je vois pas sur le radar mais je me méfie quand même, je l'ai eu. En même temps j'ai réussi à avoir ma tourelle automatique. Je recharge tranquillement là. Et je reviens arrière. Bon. Là vous avez vu que je retourne facilement parce que j'ai lancé le sensibilité à 10, donc j'ai... Oh là c'était dangereux là, oh c'était dangereux. Ah celui-là il m'a pas vu, je continue à le voir. Vous avez vu hein, c'est précis, et cheaté. J'ai réussi à voir en pleine tête en même temps, j'ai réussi à voir mon aéronef furtif. Bon ben je vais continuer hein. Donc comme je disais tout à l'heure, avec la sensibilité 10, on tourne facilement vers l'arrière si on entend quelque chose, on a des doutes, etc. On a le temps de retourner, donc entraînez-vous à la sensibilité 10. Ah, celui-là, bon, j'hésite de tirer parce que je sais, on sait jamais s'il y en a un qui arrive, vu que bientôt j'aurai mon Warthog. Bon, je recharge tranquille. Je vais profiter, vu qu'il n'y a personne, je profite de prendre le drapeau. Vous avez vu la jauge au moment où j'ai pris le drapeau. Donc ça aide beaucoup aussi hein, le capture de drapeau. Enfin c'est pas le capture de drapeau là, le mode, mais pour prendre le drapeau quoi. Donc là j'ai réussi à voir mon Warthog et je suis bien fier. Par contre là, en plein série de 14 mesdames et messieurs, il m'a cuté. Alors que d'habitude j'essaie de cuter, j'arrive pas. Mais bon, c'est pas grave quand même, j'ai quand même réussi à avoir mes 3 séries de points et je suis pas découragé, je vais quand même essayer d'aller avancer et puis empêcher au maximum les adversaires d'attaquer notre point, notre objectif tout simplement, c'est-à-dire les 3 drapeaux. Pour l'instant, on a réussi à capturer 2, donc c'est bête de ma part de faire ça, je sais qu'il a... Il a mis le piège électrifiant 2, mais je continue quand même à avancer au lieu de faire le tour par derrière sur le petit, je sais pas comment il a fait pour m'avoir, sur le petit échelle par derrière, mais bon, ce n'est pas grave non plus celui-là, donc je continue à avancer. Ouais, là ils ont eu le B, donc là encore, oh là là, j'arrivais pas à avancer. On m'a oublié, je sais pas si c'était une grenade flash ou une grenade brise, si c'était une grenade flash. Ah, celui-là il m'a pas vu, je lui parle derrière le dos, je recharge. Donc là vous avez vu un logo là, Axel Eponce 974, donc pour ceux qui me connaissent, qui fait partager la vidéo en même temps, je suis mort là, je suis dégoûté. Par contre j'étais fier d'avoir...
d'avoir mes classiques, mais en même temps, j'arrête pas de faire des conneries là. Là, celui-là, il m'a pas vu. J'ai de la chance. Il n'y a personne là. Non, non, il n'y a personne. Bon, je vais faire le tour, je vais revenir en arrière. Je vois que tous les rouges. Par contre, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, ça. Dès qu'on voit les rouges, il faut se méfier. Ce quand il est là, par exemple, il y en a un. Mais j'ai pas regardé derrière moi. Je pense ici. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y avait personne parce que il faut toujours regarder derrière soi avant d'attaquer le premier but, quoi. Parce qu'en général, on se fait tuer comme ça. Donc là, pour la première manche, on termine. Enfin, moi, je termine sur 21. 21-6, c'est le score de 83-85. Donc on est dominé de 2 points pour l'instant. Bon, on va peut-être prendre la revanche. Mais pour vous dire, vous n'avez pas gâché la partie, donc on va perdre. Hein. Malgré qu'on a capturé beaucoup de drapeaux. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que même si plus on capture des drapeaux et si on ne garde pas assez longtemps, on perd tout simplement, on a moins de points. Normalement, c'est le contraire. Normalement, plus on capture de drapeaux, normalement, et plus on a de points. Mais non, ça se passe pas comme ça. Par contre, là, c'est un truc bête et je sais pas ce qui s'est passé. Vous allez voir. Regardez. Là, je tire sur le mec. Le mec, il a le temps de me tuer avec son petit gun. Oh, mais c'était chaud, mais c'était moche aussi en même temps. Mais c'est pas grave. Je vais me venger. Là, je vais me venger. Viens, tiens, vengeance. T'as vu ça? Ouais, t'as pas compris? Ouais, je recharge. Là, voilà. Non, c'est un plat qui se mange froid alors que t'es tombé dans l'eau, j'espère. Merde, tu vas te faire bouffer par le requin. Waouh, je capture le drapeau. Maintenant, je suis arrivé en retard. Bon, je continue. Ah, je suis chaud là. Je suis chaud. Je sais pas combien j'ai. Là, il y en a un en bas. Bon, je vais le chercher. Ah non, ça c'est mon Warthog qui a pris le kill à ma place. Voleur de kill. Voilà, si j'avais une lance-grenade, tu vois, je t'aurais descendu. Bon, là, peut-être il y a quelqu'un, mais je sais pas où il est, il est là. Ouais, il est mort. Heureusement que le bon sniper, il a eu, mais celui-là, je l'ai pas vu. Il était caché où? Il était caché où? Moi, j'ai rien compris, moi. Bon, ce n'est pas grave, encore une fois, on continue tant qu'on réapparaît, on continue la partie. On s'arrête pas. Ouais, voilà, tu m'as eu en premier, mais ça fait vite marquer un, je t'ai tué. Je recharge encore une fois. Par contre, Pierre, ça aide beaucoup hein, pour ramasser des armes et tout. C'est vrai que je suis contre les pillards parce que ça fait beaucoup de bruit. Ah, ouais, pour moi, ça fait beaucoup de bruit quand on ramasse les pillards, mais là, ça sert beaucoup ce Call of Duty Black Ops 2. Donc là, je continue mon petit chemin. Je sais pas si je vais débloquer encore une autre fois ma tourelle. Mais je sais pas, on va voir. On va voir, on va voir. Donc là, sur le score 110, 120 à 122, on n'était pas loin quand même, hein. Nous étions pas loin. Celui-là, il m'a pas vu. Bon, je vais essayer de suivre par derrière pour voir s'il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Il m'a même pas vu. Bon, c'est une chance pour moi. Celui-là non plus. Il y a un deuxième, 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 deuxième. Allez, viens, petit, viens, 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 viens. Ben non, non, non. Ah, si, si, il est revenu. Il est revenu, fais gaffe. Voilà. Voilà, monsieur Axel, il penche dans cette carte. Alors, là, peut-être. Ouais, j'ai réussi à avoir ma tourelle automatique et mon aéronef furtif en même temps. Ben, c'est cool, ça. C'est cool. C'est grâce à la capture de drapeau. C'est plus facile en fait d'avoir les clistries, des séries de points avec les captures de drapeaux, c'est plus facile. Mais par contre là je vais me faire avoir, j'ai dû laisser ma tourelle là où il était, regardez. Celui-là je sais pas d'où il vient, de nulle part, je l'entendais même pas derrière mon dos, je ne voyais pas devant moi. Il arrive, il nous cut. C'est normal quoi. Ouais, on trouve ça c'est normal, ouais. Ouais, il a le dos comme d'habitude. Comme t'as tué, tu m'as tué tout à l'heure. Je ramasse ton colis et je vais te tuer avec. Voilà. Enfin, espérons que oui. Hein. Bon, vous êtes où les gars? Je vous cherche partout là.
Pourtant, il y a combien? Il y a 4 points de différence, même pas. On a dû gagner quand même cette partie. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est le chose. Hein. Toi, je t'ai vu, la tête. Toi aussi. Et puis l'autre là, je sais pas où qu'il est. Ah, il est au fond. Ouais, non, j'ai pas eu. Non, mais non, non, il revient pas. Si, si, si. Ah, il y a Mania qui l'a mis KO. J'espère faire le tour par là. Ah, je suis à 37 à je sais plus combien. Bon, là, et je vais faire un double kill. Vous avez vu, c'est plus facile là. Par contre, là, le troisième, j'ai pas réussi à l'avoir. Il était caché. Comme s'il me voyait arriver, lui. Il m'attendait, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Oh, pom-pom. Ah, celui-là, ah non, c'est fini déjà. Bon, ben voilà, je termine sur le score de 39 à 11. C'est pas énorme, hein, les gars, je suis désolé. Mais je fais du mieux que je peux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à faire partager ma chaîne à vos amis et à votre entourage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!